attention, de façon inédite, pour remplacer au pied levé Guillaume, qui normalement rentre demain. Ben oui. Petit ange du Covid, oui. Tombé trop tôt, qui revient demain. Alex Vizorek, en bon camarade, oui. Le remplace au pied levé. J'ai voulu savoir, Charline, ce que ça faisait de prendre le travail d'un autre. Ben oui. Et comme le vôtre, eh bien c'est trop difficile. Je veux dire, écrire des questions à partir de réponses, j'ai jamais été bon à Jeopardy. Celui de Juliette, lire plus de 30 pages d'un livre, même le Kama Sutra, me suis arrêté avant, épuisé. Alors, j'ai décidé de prendre le travail de Guillaume, aller interroger les gens. Ah. Bon, après, moi, je ne suis pas aussi conflictuel que lui, vous le savez, donc j'ai choisi un thème léger, le retour de Michel Drucker. Voilà, ça, c'est bien. Mais non. Qu'en pense ce monsieur? Ah, moi, ça me fait peur. Je pense que c'est la faute de l'islam. Ah, le retour de Drucker, c'est la faute de l'islam. Expliquez-moi ça. Bah, vous rappelez pas? Quand on a retrouvé Osama Ben Laden, on avait retrouvé des disques d'Enrico Macias chez lui. Ouais. Et qui est le dernier invité Enrico Macias? Michel Drucker. Et c'est vrai. Et là, je suis tombé sur une analyse géopolitico-théologico-musicale assez pointue. Et comme je sentais que ce monsieur a un petit peu envie de parler de l'islam, fait comme Guillaume, j'ai laissé continuer. Mais ils sont partout, regarde autour de toi, il n'y a que des islamiens partout. Où ça, par exemple? Bah, là, c'est pas flagrant, mais c'est parce que ça doit être leur truc, là, le ramadan. On n'est pas du tout en période de ramadan. Ah, bon, bah, je sais pas, moi, ils sont peut-être en bar mitzvah. Non, la bar mitzvah, c'est plus chez les juifs. Ah, les juifs! Vous voulez que je vous parle des juifs? Non, non, ça va aller. Voilà, là, je l'ai arrêté. Me suis donc dirigé vers une dame d'un certain âge. C'est le public de Michel. Ouais. C'est mon public, hein, il faut le dire. Et j'ai demandé à cette dame si ça la dérangeait pas, au fond, de voir le retour d'un homme blanc de plus de 50 ans sur antenne. Ben non, pourquoi? Moi, j'aime les hommes, moi. Je suis pas comme les féministes, hein, à qui on donne tout le temps la parole et qui font pas la vaisselle, hein, les Juliette Arnault, là. Eh oui, hein, les Juliette Arnault, nous dit cette dame qui vous a bien noté. Voilà, elle aime pas les féministes, alors je lui ai demandé si elle, ça la dérangeait pas, si parfois on pouvait la tripoter dans le métro. Oh, une petite main égarée, ça va, c'est un compliment venant d'un homme trop pudique pour le formuler. Ça vous est arrivé à vous? Oh, ben, quand j'étais jeune, oui, ça m'arrivait dans les rues de Paris, puis... Et à chaque fois, je disais « Dankeschön !» Et oui. Ce « Dankeschön » qui a permis à cette dame de découvrir en 46 qu'au fond, les cheveux très courts, ça n'allait pas qu'aux féministes. Alors, je continue ma balade et je tente d'interroger les gens sur leur tour de Michel. Et je tombe sur un badaud qui connaissait bien Guillaume et qui était plutôt content de me voir, moi. Oh, ça change de Meurice, hein. Ah, je peux vous le dire, moi. J'attends qu'il ait quitté le marché pour aller chez le boucher, hein. Moi, j'aime le sauciflard, la côte de bœuf et même le taureau. Et ce que je préfère, c'est quand il a été terminé en corrida. Ce petit goût de peur, avec une belle sauce madère, j'adore. Voilà, alors c'était beaucoup de misogynie, de racisme, d'anti-véganisme pour juste le retour de Michel. Alors j'ai été interroger un sage, c'est Robert. C'est le frère de Roger. Coup de bol était là. Qu'est-ce qu'il pense du retour de Drucker? Oh, moi j'aime bien Michel Drucker, hein. C'est un bon gars. Il aime le travail lui au moins. C'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui, toujours sur le téléphone. Michel il l'a fait son service militaire, hein. Ah, ça leur ferait du bien aux jeunes. L'école de la vie, quoi. Et voilà, je suis tombé sur un militaire, comme dans toute bonne chronique de Guillaume. Et donc j'ai essayé de lui faire dire une connerie en lui demandant lui où il avait ses vies. Bah, moi c'était l'Indochine, hein. Dès que je voyais un bridé, je tirais. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Avec le recul, je regrette pas, hein. Le virus c'est quand même eux. Voilà Alex, je t'envoie l'enregistrement par WeTransfer. On a eu un petit souci sur la Ouais, je pense que le souci, c'est peut-être que vous avez un petit peu sous-traité, non? Attendez, mais qu'est-ce que ça change, Charline? C'est la même que les chroniques de Meurice. C'est des gens qui disent des horreurs. Mm-hmm. Ça permet à l'auditeur d'Inter de trouver qu'il est plus malin qu'eux. Non. Là, ce que vous venez de faire, là, Alex, vous avez sali le travail de Guillaume. Si, concluez, qu'on en termine. Je vais faire comme dirait Michel Drucker. Guillaume, si tu le regardes, envoyez des fleurs. Alex Vizorek, merci.